un homme courageux et autonome. Voilà les mots que j'avais en tête en partant pour l'Animasia à Bordeaux, après m'être fait planter par deux copains. Quelques 7 heures de route, dont une bonne heure à faire la queue devant les stations d'essence en grève, patience était aussi l'autre maître mot de ce voyage. Mais plutôt que de me prendre le chou à me focaliser sur les emmerdes, je m'étais convaincu qu'il fallait comprendre la situation dans sa globalité, accepter ce qui était nécessaire, kiffer ce que j'avais à faire et le faire de mon mieux. J'étais seul, mais j'étais déterminé. J'étais surtout très expérimenté dans l'art de tenir un stand d'artiste. Il me suffisait de dérouler la partition. Tout est si facile quand on sait s'y prendre. Je tenais le bon état d'esprit, tout coulait sur moi, j'allais y arriver. Quel que soit le résultat de mon périple, j'étais décidé que tout se passerait bien. Et tout, c'est mieux que bien passé. Bordeaux a été une réussite incroyable. Que les gens sont sympathiques dans cette région. J'ai pu m'atteler à mon déjeuner que sur les coups des 17h tellement j'ai parlé. Évidemment, impossible de faire les commissions sur place. Je me suis permis de les envoyer par la poste le jour de mon retour. Regardez donc avec quelle puissance de travail j'ai pu abattre toutes ces aquarelles. L'aventure continue en tout cas. À plus !